Bonjour, c'est Grifox. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On est sur des baleines à bottes, on va essayer de faire un jet sympa exo pour s'en rester. Et le PA vient de tomber sur une rune fuite, alors je vais y aller en double puits PAPM, ce qui veut dire que pour terminer le FM, il faudra un double succès. Ça va être un peu dur, mais c'est faisable. C'est parti, alors là, la vitalité m'arrange pas trop. Ça faisait pas longtemps que j'avais eu l'attentat précédente. 15 de vie. Il va falloir passer l'over. Est-ce que j'y vais à la pavie? Allez, je vais y aller à la pavie. En espérant que je perde pas trop de puits. Ok, ça va. Moins 6. Que je vais enlever avec une rune Ini. Oui, Ini, c'est pas mal. Hop. Ok, j'ai un moins 5 et pas un moins 6. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, la force. On va faire un mini over. Donc là, j'ai moins 2. Toujours compliqué, hein. Ça, c'est normal. Ok, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, ça coûte quand même cher, donc on a moins 29 ici. Aïe. Juste pour aller chercher le 60 force. On perd encore du puits, dommage, moins 1. Ok, ensuite là, Rage qui crit. Bah là, on peut y aller du coup. Les par écrit, moins 12. On a la petite fuite qui va venir ici. Moins 4. Les dotaires. Moins 5. Les res hauts. Moins 12. Les dommages neutres. Et ben on n'a plus de puits. C'est dommage. Ça nous fait quand même. Ouais, on peut tenter. Qu'est-ce qu'on tente? On va déjà remettre le PA, on va voir si ça passe. Et ça passe pas. 98 depuis sur ce PA. Bah, on a un G qui est pas trop mal, hein, franchement. Pas mal du tout. Allez, la Vita, c'est parti. Tac, tac. Ok, on a un petit moins 12 ici. La Ravi. Ok, moins 10. J'ai presque envie. Ouais, j'ai presque envie d'aller à la rune pod, mais on va y aller tranquille. Là, c'est la reprise de la forge magie. On va pas trop se casser la tête. Moins 6. Allez, les petites pages là, si ça pouvait pas trop m'embêter, ce serait cool. Ah, je perds du puits là-dessus. Du coup, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moins 33. La sagesse. Ça picote. Moins 27. Il nous reste 10 depuis. 10 depuis. Bah, je vais tenter. J'ai bien envie de tenter une pas faux. Ah bah ça passe, nickel, moins 3. Qu'on va enlever avec une petite runini. Alors là, bah voilà, j'allais dire, faut surtout pas que ça me fasse ça. Bah ça m'a un peu niqué. On va en remettre une. Bon, du coup, ça va. On s'en sort pas trop mal. On a quand même une tenta. On a une tenta de rester. Qui ne passe pas. Et bah on va quand même remettre le PA tant qu'à faire. Et ça passe pas non plus. 94 de puits pour ce PA. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Vita? Je pense que... Je pense qu'on va juste faire un mini-over. Allez hop, à la pavie. Moins 15. Ensuite la Ravi. Qui passe, moins 10. La rune Ini. Je pourrais presque tenter une rune Agi. Non, Ini c'est bien. Qui crit, ok. Pas forcément au moment où j'en avais le plus besoin, mais c'est toujours cool. On va y aller à la pas faux, moins 1. Force qu'on va monter à 60, bien sûr. Ok, ça passe. Plutôt bien, moins 9. On va y aller sur un petit over maintenant, sur l'agilité. Tac, moins 6. Qu'on récupérera sur les récris, bien sûr. Ok, ça passe encore, super, moins 10. Hop, moins 2. Ok, donc là ça se présente plutôt bien. On a bien géré les premières lignes, la fuite, moins 8. Les dommages neutres, moins 10.
Ce qui nous fait 23 de puits restants. Alors j'aurais beaucoup aimé que on ait un de plus. Alors c'est pas impossible que j'en avais un qui me restait d'avant. Là j'ai eu moins 3. Là j'ai eu plus 1. Et là je sais plus. Je ne sais plus. On va tenter un crit inni. Alors là bien sûr c'est à ce moment là qu'on n'en aura pas. Hein. C'est un peu classique. Allez un crit ça marche encore. Un crit. Un crit juste. Mais c'est incroyable. Non. Bon bah on a 3 tentats. On aurait pu en avoir 4. C'est un peu dommage. Allez, 1, 2 et 3. Bon, on a 1%. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 87 de puits sur ce PM qui ruine avec... Enfin, pardon. Sur ce PM qui tombe avec une rune d'OTR. Je vais y arriver. La Vita, elle m'arrange pas du tout. Mais là, bah, go over. Est-ce que j'y vais à la pavie ou à la ravie? Je vais y aller à la pavie, je vais forcer. Ok, moins 12, ça va, ça aurait vraiment pu être pire. Je vais mettre une petite rune, récrit tout simplement, pour enlever 11. Bon, c'est la meilleure manière que j'avais de gérer le truc sans vraiment passer des heures à risquer de perdre du puits dessus. Bon, là j'ai gagné 0,2 de puits, mais ça me servira pas plus tard, donc je le note pas. Ensuite, on va avoir la force et l'agilité à monter à 60 avec de l'appât. Donc ça peut être un peu compliqué, mais ça va tomber sur des gérons, donc il n'y a plus qu'à espérer que ça passe. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça va, moins 18 ici. 1, 2, 3 et 4. Eh bah écoutez, c'était plutôt cool. Je m'attendais à pire. Les petites runes réécrites, ça monte tout seul. Moins 4, la fuite qui passe. Moins 4 à nouveau. Bon, bah, plus que les dommages, on est pas trop mal. 1, 2 et 3. Moins 15. Ce qui nous laisse donc 22 de puits. On va essayer de choper un petit plus 2. Il faut vraiment que j'aille me choper des. Il faut vraiment que j'aille me choper des runes qui me font plus 2. J'aurais pas un peu de puits en rab avant par hasard? Là j'ai un moins reliquat. Non, ça n'a vraiment pas l'air. Qu'est-ce que je fais? Bah allez, hein, on va aller se prendre des petites runes, runes ré-neutres. On fait ça tout de suite parce que j'en ai trop souvent besoin. Il faut toujours que vous ayez en rab des petites runes qui font plus 1, plus 2, plus 3. Pour pouvoir, voilà, quand vous avez des tentares comme ça, être sûr de tenter le succès crit pour arriver sur un multiple de 6. Ça c'est un petit peu la base. Et idéalement, il vaut mieux que pour ce genre de runes, bah, ce soit des runes qui soient pas trop présentes sur les items, hein, typiquement la res note fixe. Je prends ça parce que bah, c'est très rare que ce soit présent sur un item, et du coup c'est assez facile de l'avoir systématiquement en exo. Donc allez hop, on en prend 100. Et on y retourne, ça va le faire. Sachant que si, même si j'ai un petit G là, je vais pas tryhard forcément à fond, le but c'est surtout de reprendre un petit peu contact avec la forge magie, de caler des petits items en HDV, parce que les dernières baleines à bottes que j'ai faites, elles étaient super belles, je les ai mises en HDV, il y a eu un bug et elles ont disparu, donc j'étais un peu triste. Bref, allez, un petit crit. Non, on peut encore tenter du coup. Non plus. Et on peut... Je peux encore en tenter une dernière. Hop, ça passe pas. Ok, donc on aura 3 tentats. Je dis en tenter une dernière parce que si on arrive à 3 ré-neutres, ça fait 6 de puits en over. Et si on monte au-delà, bah ça, si on passe une res en pourcent derrière, ça pourra faire un double exo. Et ça, du coup, ça a moins de chances de passer. Bref, allez, 3 tentats. 1, 2 et 3. Donc on a 1%. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM, mais on a le PA qui tombe. Donc on était à 22. On a fait... On a tenté 3 raies neutres, donc en fait on a gagné, on a fait là ici moins 2, ensuite moins 2, ensuite moins 2, et là sur la première, on a juste eu un moins 2, ok, c'est bizarre mais c'est comme ça, tac, et ensuite on a eu moins 12, ce qui fait qu'au total on avait 2 de puits restant à la fin, et donc ensuite on a plus 31, on a plus 18, on a plus 100, on a plus 6 et moins 90, donc 67 de puits. Donc ici on a 67 de puits,
Donc on enchaîne. On enchaîne tout simplement. Bah allez, c'est parti, la J. Tac, on va essayer de la monter d'abord à 50 puis à 60. Oh, c'est joli les petits crits là, j'aime beaucoup ça. Moins 6. Ensuite. Oh, ça crit de partout, ça c'est tout ce que j'aime ça. Les petits 13, moins 18. Et là, eh bien, on est good, hein. Et 43, alors là, bon, techniquement, il faudrait passer un milliard d'années à essayer d'avoir 5 en coup critique, enfin 5 fois une rune qui pèse 1, pour essayer de monter à 48, mais là, je sais que c'est tellement faible. Statistiquement, il y a plus de chances que je me sois viandé dans le comptage depuis que ça passe, donc on va partir sur 7 tentats. Hop, je vérifie que j'ai pas zappé une ligne, hein, parce que quand c'est comme ça, quand l'item bouge beaucoup, il peut arriver qu'on zappe une ligne et qu'on se loupe. Mais non, ça ressemble effectivement à 7 tentatives. Et on a un 3%, et bah je serais très très content de pouvoir finir cette petite vidéo sur un PA qui passe ici. Allez, on y croit? Quel dommage, ça m'aurait vraiment fait plaisir. Tant pis. Alors avant de s'occuper de ce puits PA, on va jeter un petit œil sur un item qu'on vient de me link, qui est très joli. Alors j'en avais un, je crois qu'il y avait un peu plus de vita. Mais en tout cas c'est toujours beau, donc ça fait plaisir de voir des beaux items. On admire, et on passe au FM. Alors, 95 de puits, j'ai le PA qui est tombé sur une rune d'Auter. La vitalité va arriver à 349. Tac, moins 20. La force, ça va être un peu compliqué. On va faire un over à la Rafo. Moins 10, et comme ça je récupère les 3 sur la J. Et ça m'évite de me casser la tête. Ok, crit. Oh, ça c'est bien ça. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dommage, ça partait bien. Moins 27. Ensuite, les récris. Moins 2. Bon, on n'aura pas un truc incroyable, mais on va avoir quelques tentats. Allez, je vais faire la sagesse en dernier. Moins 6 ici. Si les dommages sont pas trop capricieux, on aura peut-être quelques tentats à faire à la fin. 3, 4, moins 20. Et ben, il faut juste que la sagesse crit. Dommage, moins 9. On a donc un depuis restant. Bon, on peut tenter. On va déjà remettre le PA. Et même si le PA passe, je sais pas trop ce qu'on va faire avec ça. Bon, limite, on peut le mettre en HDV comme ça, hein, avec un prix très abordable, ça pourra peut-être faire un heureux. Ah bah, il y a le PM qui tombe, parfait. Donc, on avait 1, on a plus 18, on a plus 90, et on a moins 100. Donc, 9 depuis. Ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué de remonter ça. Je me suis pas trompé dans mon comptage. J'avais 1, plus 18... plus 90, moins 100, bah non, c'est ça. Ça me met un peu dans le caca, en fait. Bon, bah, on va tenter. Ouais, bah, effectivement, c'était très nul. Bon, bah, on va remettre le PA. Et puis on va gentiment continuer le FM. On a 94 depuis pour ce PA qui vient de tomber. Alors là, ça va être un petit peu compliqué, parce que... il va falloir terminer le FM par un double succès. Mais bon, soyons joueurs. Là, j'ai pas d'autre choix que d'over la Vita, moins 20. Je vais y aller avec de la rune Ini. Allez. Ah, dommage, j'aurais mis un moins 5 ici. Bah écoutez, on va avoir un beau paquet de tentats là, en revanche. Hein. Ah, bon, on a un crit. On a un crit, donc on a 74. On a moins 2. On a moins 2, mais on a plus 1, donc on va dire moins 1. Pour compter 73, bon là ça n'a pas vraiment de sens d'aller essayer de chercher une tenta de plus. Donc on a 12 tentas res, les amis, c'est plutôt joli, 12 tentas, hein. Il y a moyen de sortir du jet potentiellement sympa, surtout que là il n'y a pas le PA ni le PM, donc on peut potentiellement avoir un truc sympa qui sort. Après, toute la difficulté va être de repasser le PA et le PM à la fin, bien sûr, mais ça peut nous faire un peu rêver. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, un troisième, 3, allez, peut-être un quatrième. Bon, 3%, c'est déjà chouette. Est-ce qu'on peut avoir le double succès crit là-dessus?
Le PA, allez le PM. Ce serait chouette d'avoir le petit PM là. Dommage. Le PM est tombé, on a 81 depuis. Là si j'y vais, je vais y aller en fait à la ravie. Et comme ça j'aurai un petit over de 15 que je pourrais retaper avec une pas faux. Et ça c'est nickel. Hop, moins 10, oh on a du crit en plus. Et là regardez-moi ce calcul incroyable. Ah. Ah, bah, on va pas se plaindre hein. Nickel, voilà, on tombe sur du perf. Toujours anticiper ses puits, c'est la base. Allez 2, 3, moins 9. Oh je suis chaud là. Je suis chaud, j'annonce. Moins 10. On va aller chercher le perf en réécrit. Bon là on aura un G moins 1 de sagesse, c'est un peu dommage pour la sagesse. On a moins 2 pour les réécrits. On a la fuite qui crit. Oula. Ça sent le 4%. J'annonce. J'annonce à 104%. On a donc 45 depuis sur ce magnifique, magnifique G. Alors là, il nous faut une petite tenta qui pèse 3 pour essayer d'aller chercher les 48 si on a du crit. Ok, on a 42. Donc, tout simplement cette tentative. Bah écoutez, let's go. Tac. Allez. 1. Bon, ce sera du 1%, c'est peut-être un peu moins bien que ce que j'ai annoncé, mais on va pas se plaindre. Et on n'a pas le PM, mais on a le PA qui tombe, alors on va encore essayer d'exploiter. Donc là, on était à 0, on a 10, on a 30, on a 40... fuite, c'est 4, hein. Donc on a pas 4, on a... comment je fais ça? Voilà, plus 28, plus 100, plus... 6, moins 90, on est donc à 84 depuis ici. Ça me paraît beaucoup 84, mais bon, allez, on va dire que je sais bien compter. Moins 10, tac, la fuite, bah allez, c'est parti. 1, 2, 3, moins 12. Les deux terres. 1, 2, 3, 4, moins 20. 42. Ah bah cette tenta, allez c'est reparti. On va espérer avoir plus que 1 cette fois-ci. On a 2. On a 2%. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 87 depuis pour ce PM. Il va falloir faire un over, il va falloir faire un petit over vita, c'est parti. Moins 20. Qu'on va enlever avec une réécrit par exemple. Voilà, moins 11, parfait. J'espérais que ça ne me fasse pas un moins 10. La force et la J, ok, là c'est des valeurs qui m'arrangent pas mal. Parce qu'en fait ça me permet d'aller chercher du 50 sur les deux lignes, et après d'aller à la RA, qui passe quand même mieux que les pas quand on approche les 60. Moins 12 ici. Et là, vous voyez, on a moins 10. Moins 30. C'est correct. Ensuite, les deux neutres. Moins 5. Et on a donc 20 depuis. Alors là, pareil, je pourrais tenter... je peux tenter du crit au... Si j'ai deux crits là-dessus, je gagne des tentas. Mais dès que j'ai un échec, je... perd une tenta. Ah bah voilà, j'ai un crit. Nickel, voilà, ça c'est cas d'école, exactement ce qu'il faut faire, nickel, parfait. Ah non, pardon, il m'en faut encore un. J'ai rien dit, il m'en faut encore un, donc en fait là c'est plus possible. Parce que sinon je peux monter à 4 et neutre et ça me ferait un double exo en passant l'exorèse, et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc on va partir sur 3 tentas, c'est pas grave. Ok, on a 2%, c'est pas mal. Et on a le PM, bah écoutez, plutôt chill, petit G. On a la sagesse qui est à 38, mais c'est quand même très propre, hein. On a 350, 60, 60. Et ça va très gentiment partir en HDV. Plutôt plaisant, bah c'est joli, un G comme ça, ça fait toujours plaisir à voir. Bon, c'est pas le G du siècle, hein, sur des baleines à bottes, on est d'accord, on a déjà fait des trucs plus stylés. Mais ça m'ira tout à fait pour aujourd'hui. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de refaire un peu de forge magie, ça a un petit peu réveillé le forge mage en moi là,
Je sens qu'on va repartir faire plein de trucs ultra stylés. C'est bon, vous me connaissez, hein, quand je vous fais de la forge de magie, on est pas que sur de l'exo 2%, hein, on va aller chercher les petits jets bien stylés. Écoutez, je vous laisse ici. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Bien sûr, je lis toujours vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.